10 countries working together to combat Ebola virus disease and other disease threats within their territories. One of the tourist destinations in the Great Lakes region, the city of Goma still retains its seductive power despite the social and health constraints. The capital of North Kivu, epicenter of the second largest outbreak of the Ebola virus disease, after that of West Africa, the city hosted the high-level ministerial meeting on preparedness and response to Ebola virus disease outbreaks, where an arrangement was reached on the mechanisms for coordination, collaboration, and cross-border communication between the Democratic Republic of Congo and its 9 neighbors on Ebola virus disease and other disease outbreaks. Sommes résolus collectivement à mener des actions dans le but de faciliter la coopération, la collaboration entre les États membres dans le cadre de la préparation et de la riposte à la maladie à virus Ebola, notamment à la surveillance transfrontalière des cas de cette maladie et des laboratoires, la recherche et le suivi transfrontalier des contacts. C'est le renforcement des capacités de la main-d'œuvre, notamment la formation conjointe, les visites d'échange de connaissances et d'analyse comparative et les exercices de simulation. D. La communication rapide des données épidémiologiques et de surveillance en laboratoire et d'autres rapports pertinents. The agreement reached by the representatives of Angola, Burundi, Congo-Brazzaville, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Rwanda, South Sudan, Tanzania, Uganda, and Zambia on the 21st of October 2019 is a major landmark achievement and key to the success of public health emergency preparedness and response management in the 10 countries. The fruitful exchanges at the meeting is evidence that countries can work together to tackle their public health challenges. Nous félicitons énormément les équipes de DRC qui ont travaillé diligemment pour pouvoir contenir la maladie. Et avec les dernières nouvelles que nous voyons, nous avons bon espoir que la maladie sera contrôlée bientôt. Je pense que la République africaine fait frontière directe avec la République démocratique du Congo. Réunion est la bienvenue. Cette rencontre est d'une importance capitale parce que nous voyons que la collaboration entre la RDC en rapport avec la lutte contre la propagation transfrontalière des maladies va être très importante parce que nous allons collaborer avec la RDC. This historical meeting was initiated by the Africa Centers for Disease Control and Prevention, Africa CDC, a specialized technical institution of the African Union Commission in collaboration with the WHO and the governments of the Democratic Republic of Congo. Representing these organizations at the meeting were Her Excellency Amira El-Fadil Mohammed, African Union Commissioner for Social Affairs, Dr. John Kingasong, Director Africa CDC, Dr. Soki Fall, Deputy Director General for Emergency Response at WHO, Dr. Matidisa Muyedi, Regional Director, WHO/AFRO, and the host government representatives, His Excellency Albert Mbeki Biyombo, Deputy Minister of Health of the DRC, and His Excellency Colin Zanzu Kasivita, Governor of North Kivu. Plus d'un millier de nos compatriotes atteints par cette maladie ont pu la vaincre et sont devenus nos ambassadeurs qui sans cesse témoignent sur le fait que la maladie à virus Ebola n'est plus incurable. Cela grâce, entre autres, aux molécules que notre pays, la République démocratique du Congo, utilise pour la prise en charge des cas de maladie à virus Ebola. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que l'épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo est sous contrôle, comme le montrent plusieurs indicateurs. Cela est dû aux efforts conjugués de notre gouvernement et des partenaires, sans oublier l'engagement progressif de la population. C'est ici une opportunité pour la République démocratique du Congo de formaliser le cadre de coordination et de collaboration bilatérale et multilatérale avec les différents pays voisins,
mais aussi d'adopter les feuilles de route entre la République démocratique du Congo et les différents pays voisins, devant servir bien entendu de tableau de bord de la mise en œuvre des stratégies que nous venons d'évoquer. C'est en ces termes que nous pourrions ensemble contribuer à renforcer la sécurité sanitaire internationale. We need to come together, we need to collaborate and to be prepared for those opportunities and challenges. Allowing effort in Ebola outbreak preparedness and response in the Democratic Republic of Congo will be a good example of the use of our collective capabilities in this regard. We always say that we do appreciate what the donors are giving, we do appreciate what our partners are doing for us, but also we need to look internally for more local resources. We need to train ourselves to manage better and to manage effectively the resources we have internally in our countries. I salute and commend the Ministry of Health of DRC Congo. I salute also the work of the committee of Professor Mayumbi. I commend highly the role of the WHO and the Africa CDC and the regional offices teams that's working tirelessly to organize such a high-level meeting. Africa CDC and WHO signed a joint framework for collaboration and developed a joint plan of action. Excellencies, before I leave, I would like to recognize and appreciate the work of our volunteers and the work of the responders. I call them our heroes, those who are working in the field, those who are responding, those who are taking the risk on behalf of us. I would like to recommend them, all of them, whether with Africa CDC, with WHO, or with all the partners. We appreciate what you are doing, and we will be supporting, we will be visiting, we will be joining our efforts to make this Ebola a history in DRC and in Africa. This Ebola outbreak in North Kivu and the two provinces of the DRC is particularly important, and these actions are particularly important here because we are in a densely populated corner of our continent with intense movement of people within the DRC and across the borders. We've been told, for example, that here in Goma we have 60,000 crossings per day between the DRC and Rwanda, and that just highlights the importance of this work in ensuring that these are not the occasions for the international spread of disease. C'est aussi le lieu de présenter nos remerciements aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux pays et organisations donateurs pour leurs diverses et substantielles contributions en faveur de la lutte contre cette maladie à Ebola. Je voudrais réitérer le vœu pour lequel les réflexions s'élargissent dans un cadre plus large de contrôle et de la lutte contre les maladies transmissibles qui n'ont pas besoin de visa pour traverser nos frontières. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas y arriver sans que nos pays implémentent les capacités minimales de prévention requises exigées par le règlement sanitaire international au niveau de nos points d'entrée. 2 days before the ministerial meeting, the North Kivu Provincial Minister of Health, Moise Kanyere, welcomed delegates from the 9 countries and partner organizations at the Goma International Airport. He expressed the delight of the DRC government at the support provided in organizing the meeting. C'est un intérêt particulier qu'on accorde à notre province, une manière aussi d'accorder une visibilité à notre province. Donc nous devons nous réjouir de ce choix qui a été fait par le pays, que ces assises s'organisent dans notre ville. Je pense que c'est une des grandes opportunités qu'il faut capitaliser pour vendre ce que nous sommes au monde entier, à travers l'Afrique et même à nous-mêmes. For Africa CDC, it was an important moment to examine the past and look into the future differently and make appropriate and coordinated efforts in preparing to respond effectively to public health emergencies in this sub-region of Africa. It is of high priority because of the significant movements of people,
goods and services across the borders of these 10 countries every day and the need to prevent cross-border transmission of diseases. Nous savons que nous sommes en train de mener un bon combat pour éradiquer le virus d'Ebola pour cette épidémie, mais nous sommes aussi conscients qu'il y aura une autre épidémie d'Ebola, soit au Congo, soit dans la sous-région. Donc c'est très très important de dire, voilà, c'est vrai que nous sommes en train de mener un bon combat contre cet outbreak d'Ebola, mais préparons pour l'avenir. Donc, et préparons non seulement pour Ebola, mais d'autres choses qui pourront nous surprendre dans l'avenir. With the framework of collaboration achieved, a joint committee was established to coordinate and monitor the implementation of the Joint Action Plan on preparedness and response to public health threats among the countries, paving the way for active networking and information sharing on target diseases. Je suis très satisfait. C'est un début. Donc, on va voir. Il y aura des leçons qu'on va apprendre. Surtout côté d'implémentation, parce que c'est toujours très facile de déclarer qu'on va faire travailler ensemble. L'essentiel, c'est de commencer à travailler ensemble, commencer à mettre en place ce que nous avons, on s'est mis d'accord pour implémenter. Together with the various other technical meetings and consultations organized to strengthen cross-border collaboration on public emergencies, this high-level ministerial meeting has set the tone and momentum for greater actions to ensure quick and effective eradication of Ebola virus disease in the DRC and its threats to other countries in the region.